demandé de parler, en effet, de troubles des conduites alimentaires dans le versant du trop, dans le surpoids et dans l'obésité. Et je m'empresse d'abord de vous dire que je ne suis absolument pas nutritionniste, donc pas capable de vous donner des conseils nutritionnels, sinon ceux qu'on est capable de lire les uns et les autres dans toutes les recommandations scientifiques. Mais je me propose, si vous en êtes d'accord, de vous amener au pays de la pensée adolescente et des relations qu'il peut y avoir entre la manière de penser et la manière de se nourrir, de s'alimenter. Est-ce que ça vous va, ça ? La première chose, la première distinction que je voudrais que nous fassions, c'est la différence entre s'alimenter et se nourrir. On va, si vous le voulez bien, réserver le verbe s'alimenter au fait d'incorporer par la bouche des aliments, des nutriments qui sont liquides et solides, etc., et qui nous permettent de vivre, de survivre, car sans eux, nous ne pourrions pas survivre. Si vous prenez un petit bébé qui sort du ventre de sa mère, que vous le mettez dans l'herbe, et que vous lui dites « Bonne chance, mon petit, débrouille-toi pour boire la rosée du matin et manger des feuilles », eh bien, malheureusement, ce petit humain ne pourra pas survivre. Il a besoin d'être alimenté, et pas par n'importe quoi, même s'il finira par être quasiment omnivore, il va d'abord avoir à passer un certain nombre d'étapes digestives avant de pouvoir d'ailleurs être en mesure de s'alimenter lui-même. Il doit être alimenté avant de pouvoir s'alimenter lui-même. Ça, c'est quand même très important, parce que ça veut dire, déjà, un premier truc qui vaut pour tout le monde, c'est qu'on ne peut pas se débrouiller tout seul, par soi-même, dès le moment où on sort du ventre de notre mère. On a besoin de l'assistance de quelqu'un, en principe notre mère, si on a la chance d'en avoir une, et malheureusement, ben, si on n'a pas de mère, une personne autre, une nourrice qui va être capable de nous alimenter. Donc ça, c'est s'alimenter. Alors, s'alimenter, évidemment, on va le voir, dans une société de consommation comme la nôtre, ça prend des tas de proportions dont on va dire quelques mots et qui invitent, évidemment, à beaucoup prendre d'aliments, pas seulement pour vivre et survivre, mais pour consommer. Et on va être amené à définir un autre mot qui est consommer. Est-ce que c'est équivalent à s'alimenter et est-ce que c'est équivalent à se nourrir ? Eh bien non. Voilà trois verbes qui ont trois sens qu'on va qualifier de différents. Donc s'alimenter, on vient de dire, c'est prendre des nutriments et vivre et survivre. Consommer, c'est ingurgiter, avaler, absorber quelque chose qui peut bien sûr être de la nourriture, qui peut être des aliments, mais qui peut être des tas d'autres choses, comme par exemple des données, des infos, des livres à lire, tout ce qu'on veut. Et donc, ce que je dis là est vrai au sens propre et au sens figuré, c'est incorporer, mais y compris par la tête, des choses, les avaler, les ingurgiter, sans forcément les assimiler, sans forcément les digérer. Ça, c'est très particulier, si vous voulez. C'est-à-dire que, par exemple, je commence à dévorer un livre et au bout de 20 pages, j'arrête. Parce que ça ne me dit plus rien, parce que je trouve que c'est nul. Et je le rejette et je le recrache et je n'en tire rien. J'ai simplement consommé quelque chose que j'ai acheté pratiquement en le jetant dans mon caddie, en le voyant au lieu d'aller chez Mola. J'ai été dans un supermarché et j'ai mis un livre, j'ai mis
d'autres choses, du pain de mie à côté, et voilà. Et je vais traiter le livre comme je traite le pain de mie, c'est-à-dire je goûte, si j'en ai envie, je continue, si j'ai plus envie, j'arrête. Je prends et je jette. Alors évidemment, société de consommation oblige, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une société où on doit produire beaucoup pour qu'il y ait du travail pour des gens, et donc consommer un maximum de ce qui est produit pour encore produire davantage, on obtient ce que vous voyez, qui est terrible, terrifiant du point de vue alimentaire, qui est qu'on est amené à torturer des animaux dans des batteries industrielles pour produire davantage de viande, alors même que, selon moi, mais encore une fois, c'est un avis de psy et non pas de nutritionniste, je pense que c'est très mauvais pour la santé de manger de la viande torturée. J'espère que nous sommes en train, d'ailleurs, de nous en rendre compte tous. J'espère que nos agriculteurs vont pouvoir, si je puis dire, retomber sur leurs pieds après qu'on les ait encouragés, comme vous le savez, dans les années passées, à produire toujours plus et donc à s'industrialiser davantage et donc à faire des batteries d'élevage, alors qu'il faudrait tout simplement réduire notre consommation de viande et faire en sorte que nos éleveurs puissent la vendre au juste prix pour pouvoir en vivre. Voilà ce qui serait raisonnable. Je regardais avant-hier soir le documentaire sur France 2 qui s'appelle « Après Hitler ». Et je regardais les images qui montraient les queues des files d'attente des gens. Donc on est après la guerre, on est en 1946, en France comme ailleurs, comme en Allemagne d'ailleurs. Il y a un rationnement. Et le rationnement alimentaire en 1946, messieurs, dames, c'est 100 grammes de viande par semaine. La taille d'un petit steak haché qu'on achète dans les grandes surfaces par paquet de 10, 12, 24, 36. Vous vous rendez compte? Et qui est de la viande torturée, en réalité. Donc ça, c'est très important d'avoir en tête que la société que nous offrons à nos jeunes est une société où on doit prendre un maximum, quitte à jeter un maximum. Et ce qui vient, si je puis dire, enfoncer le clou de ce processus, c'est qu'on est en train de vivre la révolution numérique qui nous amène très exactement à la même chose, mais par voie numérique, sans même que nous en ayons conscience. Car devant nos ordis, nous tous, quelle que soit la marque de notre ordi, nous avons dans le coin supérieur gauche une poubelle, messieurs, dames. C'est sympathique comme instrument. Et donc, on s'emploie les uns et les autres tout le temps à télécharger des documents, des données, à visionner des choses. Et dès qu'on a l'impression que ça ne nous sert plus à rien, dès qu'on a regardé, puis on trouve que c'est pas, ça ne nous intéresse pas, que ce n'est pas ça qu'on veut, hop, on le met dans la poubelle électronique et on le jette. On prend et on jette également par voie numérique. Et donc, ayez en tête, vraiment, c'est très important, que nos jeunes, nos ados d'aujourd'hui, sont le produit, le croisement terrible, hybride de ce monstre moderne. On doit consommer de la nourriture, mais aussi des données, mais aussi des infos, et on le fait aussi bien par notre corps et notre pensée que par les voies virtuelles du numérique. Donc, l'encouragement que nous leur donnons, que nous leur presque intimons de faire, c'est de prendre, de prendre, de prendre, quitte à jeter, jeter, jeter. Et le fait est que, l'un des troubles majeurs que présentent les ados dans diverses conduites de leur vie, c'est pas seulement la fièvre, c'est les vomissements.
Nos ados n'ont jamais autant vomi qu'aujourd'hui. Dans différentes occasions, ils vomissent parce qu'ils font des gastro à répétition, parce que plus on les surprotège, on les surcoucoune, plus ils sont sensibles aux petits microbes de tous les jours. Ils sont plus anxieux que jamais, parce qu'on leur met beaucoup la pression pour les études, il faut qu'ils réussissent, etc. Et donc ils font ce que j'appelle des gastro-psychiques par surtension anxieuse, et donc ils restituent en quelque sorte ce qu'ils ont absorbé, le petit déjeuner qu'ils ont avalé avant d'aller au lycée ou au collège. Ils font des beuveries organisées entre eux, qui s'appellent le binge drinking, et ils boivent énormément d'alcool en un minimum de temps, jusqu'à, pour certains, s'en rendre malade, c'est-à-dire se faire vomir. Et ils n'ont jamais fait autant qu'aujourd'hui des crises de boulimie, c'est-à-dire prendre des quantités de nourriture, les ingurgiter d'une manière massive, là encore en un minimum de temps, jusqu'à ressentir un dégoût monstrueux et jusqu'à se faire vomir pour ne surtout pas prendre le poids que va entraîner cette boulimie alimentaire. Donc voyez-vous, c'est quand même, attendez, il faut quand même qu'on se pose des questions. Si nos enfants nous restituent à la figure autant des choses, il y a quand même un petit souci. Ça veut dire qu'on les aide peut-être pas à prendre avec un peu plus de modération les choses et peut-être à digérer davantage ce qu'ils ingurgitent. Et là encore, il faut le penser au sens propre et au sens figuré. Et je pense que, par exemple, nos enseignants ont aujourd'hui un challenge véritablement très important qui est le suivant. Est-ce qu'il faut continuer à faire un millefeuille de connaissances toujours plus importante, toujours plus grande, pour encore davantage les alimenter en données, ou bien ne vaut-il pas mieux se dire que le millefeuille qu'on est en train d'empiler, ils n'en font pas grand-chose, quand on voit le niveau que les écoliers ont comparé dans les comparaisons internationales au collège ou au lycée. Quand je vois, par exemple, parmi mes patients, ceux qui sont de bons élèves, le niveau qu'ils ont en anglais, etc., on s'interroge quand même sur la manière dont ils ont digéré ce qu'on leur a donné à apprendre. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter le millefeuille des connaissances pour les amener à davantage assimiler ce qu'on leur donne, et peut-être qu'on leur donne trop, et pas le temps de pouvoir le digérer. Je ferme la parenthèse, j'en arrive au troisième mot, nourrir. Eh bien, retenons que, à côté de alimenter et de consommer, nourrir et se nourrir, c'est le verbe noble. Car on ne se nourrit pas seulement d'aliments pour vivre et survivre, on ne se nourrit pas seulement pour apprécier, boire et manger des choses qui nous sont agréables, qui nous font plaisir, pour lesquelles on a de l'appétit, de l'envie, du désir. On se nourrit aussi de l'échange avec les autres humains avec qui nous partageons l'acte fondamental de boire et de manger. Et ça, il faut que nos jeunes, on leur réapprenne ça, si vous voulez. Parce que, depuis la nuit des temps et dans tous les coins de la planète, il n'y a pas un lieu où un groupe d'humains ne va pas recevoir les autres humains sans leur offrir quelque chose à boire et à manger. C'est-à-dire que bien au-delà de s'alimenter et de consommer, il y a le partage qui va être en effet un partage alimentaire, mais qui va être aussi le partage du plaisir, qui va être la convivialité. Et il n'y a pas de petites ou de grandes affaires dans le monde, et petites grandes affaires, qu'elles soient commerciales ou sentimentales, qui ne se traitent autour de quelque chose à manger et à boire. Le souci, l'un de nos soucis, eh bien, c'est que on mélange tout ça et on confond boire, manger et consommer dans un même ensemble, et on assigne
nos enfants seulement à une position de consommateur. Ils sont consommateurs de tout. Et eux, si on leur dit « Est-ce que tu aimerais partager des trucs à manger avec tes amis ?» Ils disent « Oui, file-moi 20 euros. » Parce que, dans leur esprit, le premier partage un peu autonome qu'ils vont pouvoir faire, le premier acte d'autonomie qu'ils vont avoir peut-être, c'est d'inviter leurs copains au McDo. Au McDo. Qui est, alors, McDo ou Burger King, ou qui vous voulez, hein, je n'ai pas d'animosité particulière, sauf que fast food, comme ça s'appelle, déjà, ça fait bizarre, fast food, mais le pire, c'est que non seulement il peut y avoir de la viande torturée qui est servie, mais au-delà de ça, quand le soir des fast-food on ferme la boutique, les jeunes gens qui y travaillent, car l'endroit de ces fast-food est un endroit de dînette géante, où ceux qui consomment seront servis par des semblables. C'est les mêmes. C'est les jeunes qui servent, d'autres qui consomment. Et inversement. Le pire du pire, c'est que le soir, le manager va dire à ces jeunes gens, on ferme la boutique, on obéit aux normes européennes, et donc on jette la viande et le pain qui n'a pas été consommé dans la journée, par mesure d'hygiène, bien entendu, ok, on le met dans les poubelles du fast-food, mais on n'en reste pas là. On leur demande de répandre sur ce qu'ils ont jeté dans les poubelles une sorte de dentifrice bleu qui est une substance destinée à rendre ces produits impropres à la consommation. Eh bien, messieurs, dames, une société qui jette le pain et la viande, c'est-à-dire la base de la base de l'humain, une société qui jette le pain et la viande sans en faire profiter d'autres humains, est une société malade. Je regrette, ça, c'est un acte pathologique. Nous devons le dénoncer comme un acte pathologique. Jeter du pain et de la viande sans le donner à d'autres, ça ne va pas. C'est une maladie, c'est quelque chose qui ne tourne pas rond, qui, je l'espère, va nous amener petit à petit à modifier nos habitudes. Moi, j'ai une croyance profonde dans le fait que nous, les humains, on est capable de toucher le fond régulièrement, dans les guerres, dans les famines, dans les moments de grands doutes existentiels. Et heureusement, on prend de l'élan et on repart. J'ai la croyance qu'en ce moment, on est en train de se rendre compte qu'on mange de la viande torturée, que ça ne va pas de consommer comme on le fait, que c'est, ça ne va pas, qu'il faut revisiter tout ça. Et j'espère qu'on en est en train d'en prendre conscience et de modifier ça. Mais ce que je veux donc vous dire, c'est que c'est donc normal que des ados aient envie de partager des trucs à boire et à manger ensemble, mais alors aidons-les à faire ces choses-là, à produire eux-mêmes ces choses-là, à fabriquer les pizzas qu'ils vont partager avec leurs copains et leurs copines, à faire du pain. Je m'efforce au Centre Abadi à convaincre mon administration de m'autoriser à fabriquer le pain. Parce que quel geste plus noble peut-il y avoir que de faire soi-même son pain, si vous voulez. C'est la base de l'humain. Tout le monde fabrique du pain dans toutes les civilisations, dans toutes les sociétés, une forme de pain. Tout le monde. C'est un geste de base, c'est parfois même un geste symbolique majeur, puisque, enfin, comme vous le savez, pour ceux qui croient, qui sont chrétiens, le pain a également une autre dimension. Mais donc, mais vous savez que pour arriver à faire ça, il va falloir que je me batte. Hein. Je n'ai pas encore gagné. Hein. J'essaye de faire cuire la viande au Centre Abadi. Pour l'instant, je n'y suis pas arrivé. Les normes européennes m'en empêchent. Je n'ai pas le droit. Vous rendez compte qu'au Tripode arrive du Charolais,
parce que j'ai été le voir. J'ai voulu me rendre compte comment ça se fait que nos ados ne finissent jamais la viande qu'on leur sert au centre Abadie, qui est une véritable semelle. Pourquoi on leur sert-on de la semelle ? J'ai été voir aux cuisines centrales de Tripode, j'ai rencontré le chef cuisinier qui très aimablement m'a montré la qualité de la viande qu'il recevait, du charolais, 100% bœuf français, et les normes européennes le font cuire 3 fois. Ah ben oui. Et alors vous comprenez qu'une fois qu'il est mis dans le camion, bien entendu réfrigéré aux normes, etc., et qu'il part du Tripode vers le centre Abadie, quand il arrive au centre Abadie pour être réchauffé dans un autre truc, c'est une semelle. Il faudrait carrément servir des chaussures, si vous voulez, carrément. Bon. Donc, alors, on a des ados bienveillants qui en essayent, alors avec des mauvais couteaux, parce que, vous comprenez, le problème, c'est ça. C'est qu'on a de la viande dure comme une semelle, mais des couteaux qui coupent pas. Alors les pauvres, ils sont là à s'acharner sur une semelle, et comme ce sont des consommateurs nés, puisqu'on les a plongés dans le bain de la consommation, dès que ça résiste, ils stoppent, eux. Attends, c'est bon, ils disent. Ouais, c'est bon. Ils essayent de couper un peu de viande, bon, il y en a marre, ils vont être une scie, quoi, il faudrait, enfin, vous voyez, donc, ils arrêtent les frais, ils mangent pas de viande, ils vont se bourrer de cochonneries. Et évidemment, comme ils sont hospitalisés et qu'ils sont donc malheureux, les parents qui veulent leur faire plaisir et les grands-parents, bah, qu'est-ce qu'ils font ? Ils leur ramènent des friandises. Et comme ils n'ont rien mangé à midi parce que c'était pas bon, et ben voilà, les frites toutes molles et la viande dure comme une semelle, bah, à la place, ils vont manger des Mars, d'autres barres chocolatées, etc. Ils vont manger n'importe quoi, des cochonneries. Et beaucoup trop de cochonneries, parce que c'est plus facile à prendre, parce que c'est une sorte d'autonomie, quoi, d'avaler des trucs chocolatés qui sont déjà préfabriqués, préemballés, et si on en a plus envie, on le rejette, etc. Alors ça, c'est... un fait, si vous voulez, sociétal. Mais il faut s'empresser d'ajouter qu'il y a quelque chose de pire encore. Ben, le pire, c'est que quand on est plongé dans une société de consommation et invité très fortement, c'est-à-dire tout le temps, quoi, par les publicités, par la manière de vivre, etc., invité très fortement tout le temps à encore plus consommer, à encore plus avaler de choses, sans forcément en tirer un véritable profit, si on n'a pas d'argent, si on est pauvre, ben on n'a pas 36 000 solutions. Soit on devient délinquant et on vole de quoi consommer, et ça existe, bien sûr. Soit on est pauvre mais honnête et on n'a pas envie de voler, et donc on est obligé de se rabattre sur des aliments qui laissent penser qu'on est en train de se nourrir, alors qu'en fait on ingurgite des cochonneries. Et qu'est-ce qui fait un producteur de cochonneries ? Qu'est-ce qu'il a dans la tête ? Ben, il a dans la tête qu'il faut qu'il vende un maximum de produits. Et il faut que ça lui coûte un minimum à lui pour qu'il dégage une marge de profit maximale. Quel est l'idéal, c'est une caricature, hein. Quel est l'idéal pour un producteur alimentaire aujourd'hui, ce qui coûte le moins cher à produire et qui donne l'apparence d'offrir le maximum aux clients. Une motte de beurre peint en marron pour laisser croire que c'est une motte de chocolat. Ça rapporte énormément. C'est-à-dire du gras
sucrée ou salée, et colorée pour donner l'impression que c'est plein de chocolat ou plein de fraises ou plein de je ne sais quoi, ou d'abricots, alors que c'est simplement coloré. Voilà. Eh bien, le pauvre, sa maman, quand elle va faire les courses et qu'elle n'a pas beaucoup d'argent à dépenser, mais qu'elle veut faire plaisir à ses enfants pour qu'ils aient au moins autant que les voisins, elle va acheter des mottes de beurre colorées, et parce que ça va, c'est ça qui va lui coûter le moins cher, et donc elle va nourrir de gras, de sucre et de sel ses enfants, qui vont donc mal profiter de cette malbouffe, et qui du coup vont plutôt devenir en surpoids et éventuellement obèses. Et là, il n'y a pas photo. Dans le monde occidental, dans notre société de consommation, les plus gros sont souvent les plus pauvres. C'est un marqueur de pauvreté. Parce qu'ils se nourrissent de cochonneries et parce que, comme ils ont des manques, ils ne peuvent pas avoir d'autres produits de consommation, ils auraient envie d'avoir des portables, des tablettes, des nouveaux écrans hyper sophistiqués, etc. Et comme tout ça, ça coûte beaucoup d'argent et qu'ils n'ont pas tout cet argent, eh bien, ils compensent les manques par l'ingurgitation répétée, effrénée et addictive de mauvais produits à consommer qui les rendent encore plus gros. Et plus ils deviennent gros, moins ils ont envie de se prendre des moqueries et de se faire harceler, de se faire maltraiter, et moins ils ont la possibilité de courir et de faire du sport et de faire des activités en dehors, qui coûtent de toute façon aussi de beaucoup d'argent, parce que c'est très gentil de manger 5 fruits et légumes par jour, mais quand j'entends ça, si vous voulez, de la part de personnes qui sont dans les ministères et qui n'ont jamais vu de près à quoi ressemblait la pauvreté, ça fait bizarre, si vous voulez, hein, parce que c'est bien gentil, quoi. 5 fruits et légumes par jour, au minimum. Oui, bien sûr. Ça coûte combien, ça, pour faire ça? Il faut des sous. Et le problème, c'est que le fait de pas avoir accès à des activités, la peur de pas pouvoir faire ces activités, incite davantage ces jeunes gens à rester confinés devant leur écran d'ordi ou de télé et à continuer à ingurgiter pendant ce temps-là des cochonneries. Et là, ils ingurgitent doublement des cochonneries, ils regardent des cochonneries, ils se remplissent de cochonneries en film, en tout ce que vous voulez, en jeux vidéo, etc. Et ils ne cessent de grignoter des cochonneries, ils deviennent encore plus gros, encore moins capables de bouger, encore plus sédentaires, et on est coincé parce qu'on se dit « bon, mais comment on va faire pour les aider à se sortir de là ?» Eh bien, messieurs, dames, le problème, c'est que ça ne suffit pas du tout de les extraire de leur chambre et de leur dire « viens, mon petit chéri, tu fais 130 kilos, on va te mettre sur un vélo, tu vas pédaler et maintenant tu manges que des endives. » Alors ça, voyez-vous, essayez de proposer ça à un adolescent obèse, il va vous regarder, et il va vous dire « oui, ok, d'accord, je reviens demain ». Et puis vous ne le revoyez pas. Parce que c'est une espèce de rééducation, si vous voulez, hyper simplifiée, qui croit qu'il suffira de le rendre un peu plus actif physiquement et de lui faire manger autre chose que ce qu'il mange d'habitude pour que les choses aillent bien. Il est obèse dans la tête, messieurs, dames. C'est dans la tête que ça se passe beaucoup. Et c'est ça qu'il va falloir travailler. Mais le problème, c'est que ça ne peut pas se travailler seulement chez un psy. C'est pas seulement « tiens, va voir un psy, ça va beaucoup aller mieux ». C'est essayer de voir comment, par un certain nombre d'approches, d'activités, qui peuvent être
en effet nutritionnelles, mais qui devront être également éducatives, qui devront être un accompagnement probablement social aussi, un environnement lui permettant de s'exprimer, de se bouger aussi dans la tête. Bref, un ensemble de choses, de ressources pour le sortir de son obésité. Mais pas comme ça, magiquement, par une espèce de psychothérapie, une minute qui ferait que, en 5 séances de psychothérapie, il ne deviendrait plus obèse. Et ça ne se peut pas. Hein, ça ne se peut pas. Ça demande une mobilisation plurielle, avec des approches différentes, et qui vont commencer peut-être par lui faire faire des choses, au lieu de lui faire consommer. Moi, je vois des ados qui croient que le riz, ça cuit en 2 minutes. Parce qu'ils ne connaissent du riz que le riz en sachet, en cellophane, pour lequel on doit percer avec un couteau pointu des petits trous, le mettre au micro-ondes, et hop, 2 minutes plus tard, on a une paella, si vous voulez. Oui. La vraie vie, c'est pas comme ça. Et vous comprenez bien que si on se met à mettre sur la table des paellas produites en 2 minutes, il y a quand même un gros souci. Ça ne se peut pas, c'est une illusion totale, ça. Et donc, il va falloir, mais par le biais d'ateliers, par le biais, vous voyez, d'activités, amener peut-être ces adolescents-là à redécouvrir la base commençait du riz en vrai, et comment on cuit du riz, et comment on l'assaisonne, et comment on fait, et ce faisant, prendre du plaisir à concevoir, à fabriquer quelque chose qui va se partager avec les autres. Et pas seulement à lui mettre un plat d'endive devant le nez, en lui disant, juste après le vélo, tu manges ce qu'il y a dans ton assiette, c'est-à-dire des endives. Ça ne va pas. C'est essayer de faire passer ce jeune-là de la position de consommateur passif et frustré à un acteur qui renoue avec du plaisir autre que simplement d'avoir les papilles gustatives complètement surchargées de sucre et de sel. Parce que c'est ça qui se passe souvent. Quand on se bourre de cochonnerie, on cherche à se saturer les récepteurs avec du sucre et du sel. Mais c'est tout. On ne cherche pas à tirer un plaisir digestif. Ça ne descend pas, si vous voulez, au-delà du gosier, quoi. Ça reste purement concentré dans la saturation des récepteurs dans la bouche. Il faut arriver à le faire descendre. Alors, il y a une injustice quand même énorme, c'est que tous les pauvres ne sont pas obèses, même s'ils mangent des cochonneries. Et il n'y a pas que des pauvres qui sont obèses et qui mangent des cochonneries. Il y a aussi d'autres facteurs qui interviennent. Il y a des facteurs biologiques, il y a des facteurs génétiques, c'est-à-dire qu'il est évident qu'il y a des gens qui sont plus sensibles, plus vulnérables au risque obèse que d'autres, et c'est très injuste, mais c'est comme ça. Il y a des facteurs familiaux, qui sont à la fois génétiques et culturels, qui font que aller convaincre une mamie de Sarlat que on fait les pommes de terre à la sarladaise autrement que comme elle le fait, vous allez lui bon, elle va vous dire ben non, moi c'est pas comme ça, je cuisine comme si, je fais les pommes de terre comme ça, et donc il y a des pratiques culturelles qui comptent également. On peut pas tout bouleverser comme ça. C'est aussi pour ça qu'il faut envisager le trouble obésité comme un trouble aussi qui peut être familial, inscrit dans la manière et de manger et d'avoir un rapport à l'alimentaire. C'est très intéressant, par exemple, de savoir comment une famille obèse fait ses courses. Par quoi elle commence ?
vers où elle essaie d'aller, à quel rayon elle a honte d'aller, tout ça fait partie du problème. Et doit être, au lieu d'être, de prendre ça de haut en disant « mais qu'est-ce que c'est, on n'a pas besoin de ça », au contraire, je pense que ça fait vraiment partie de l'apprentissage, de la rééducation, et j'espère bien que l'association travaille ce genre de choses aussi, c'est le rapport premier avec comment on fait des courses, par quoi on commence, qu'est-ce qu'on envisage, on programme quoi, est-ce qu'on fait des courses à la semaine ou jour, comment ça se passe, tout ça compte. Et chaque fois qu'on pourra mettre l'ado en position d'acteur là-dedans, chaque fois on fera un acte de prévention. Ça ne réussira pas forcément, mais ça aura, en tout cas, ça sera quand même une tentative de pouvoir l'aider à se nourrir autrement que comme il le fait. Mais vous voyez que le problème est embêtant, parce qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte qui résistent énormément, parce qu'il y a une autre caractéristique chez les jeunes gens en surpoids et chez les jeunes gens obèses, c'est que par-devers la vulnérabilité génétique dont ils souffrent, par-devers l'ambiance familiale, la culture dans laquelle ils ont été élevés, etc., par-devers tout ça, leur niveau de pauvreté, etc., il y a autre chose. Il y a que, très souvent, pas toujours, très souvent dans la psychologie du jeune obèse, il y a la peur d'être à nu et d'exposer trop directement ce qu'il ressent par honte, culpabilité, dépression, peur du regard de l'autre. Et donc, même s'il n'est pas harcelé, alors qu'il l'est souvent, mais à supposer qu'il ne soit pas particulièrement harcelé, par exemple, parce qu'il est lui-même devenu harceleur, on connaît un certain nombre de harceleurs obèses qui ont décidé d'être harceleurs plutôt que d'être harcelés pour ne pas être victimes. Ces jeunes gens vont utiliser leur obésité comme un bouclier pour se blinder par rapport aux autres. Ils vont essayer finalement de se faire une sorte de cuirasse pour amortir les coups de l'autre, si je puis dire. Donc, vous imaginez bien que si vous prenez ce jeune homme ou cette jeune fille, vous le mettez devant un psy en lui disant « tu vas parler, comme ça, ça va te faire maigrir », imaginez ce que ça va donner. Le jeune obèse va rester enveloppé dans son gant protecteur géant qui est lui, son corps, qui amortit les coups et qui fait qu'il aura pratiquement pas grand-chose à dire, très peu de choses à raconter, très peu de choses à absorber de l'autre, car il amortira tout comme on amortit des coups, comme une sorte de sac de boxe, si vous voulez. Plus vous le boxerez, plus il restera hermétique à l'autre. Et donc, il va falloir essayer, au contraire, de les ouvrir à l'autre. Pour les ouvrir à l'autre, ça, d'après moi, ça ne passe pas directement par un psy. On ne peut pas passer directement de adolescent obèse à « je fais une psychothérapie et ça va me faire maigrir ». Ça, moi, je ne connais pas. Il va falloir des intermédiaires. Il va falloir des activités diverses et variées qui procurent du plaisir à ce jeune au lieu de lui prendre la tête. Donc ils sont souvent très numériques parce qu'ils sont très intelligents, très vifs d'esprit, hein. Ils sont lents apparemment comme ça, comme un peu des pachydermes, mais dans la tête ça circule. Et donc ils sont souvent très numériques, très doués sur le plan numérique. Au lieu de leur dire « arrête, sors plutôt dehors, faire du vélo », il va falloir aussi composer avec le plaisir numérique qu'ils ont. Il va falloir surfer sur leurs compétences
au lieu de tout le temps mobiliser leurs insuffisances ou leurs incompétences, ou arrête de manger, tais-toi, arrête de te bourrer de tout, t'es dégoûtant. Voilà, ça ne sert à rien. Ça ne fait que les rendre encore un peu plus coupables, un peu plus malheureux. Ils sont quand même souvent très malheureux, hein, d'être comme ils sont. Ça leur plaît pas du tout. Ils le dénient avec le refus le plus farouche. Ils prétendent que ça leur fait rien. Ils sont très forts pour prétendre que ça leur fait rien, parce que ils amortissent tout. Mais en réalité, ça, bien sûr que ça les touche. Bien sûr que ça les affecte. Bien sûr que le fait qu'on les traite de gros, qu'on leur fasse du mal, parce qu'ils sont pour beaucoup quand même victimes de harcèlement à l'école, ça les blesse, et certains, malheureusement, vont avoir des idées noires et vont peut-être même faire des actes suicidaires tellement ils sont attaqués par le harcèlement. Mais ils laisseront rarement les choses paraître, voyez. Ils laissent croire que ça leur fait rien, alors qu'en fait ça leur fait beaucoup.